Ambiancez-vous, ambiancez-vous. Je veux sentir la vibe là. Hey. 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 On my way. Hey. 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 On my way. Où sont mes likes? Où sont mes bonjours? Uh-huh. Uh-huh. Vous connaissez les règles de la Clarisse ou pas? Ou bien je dois les rappeler? Make me believe it. Hey. On my way. Comment j'ai cassé ça? Oui, non, Clarisse n'est pas DJ. Clarisse n'est pas DJ. Clarisse, elle a plein de talents, mais le DJing, le scratching, le trucking, c'est pas son truc. Donc, je fais des arrêts brutaux comme ça. Bam! Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Clarisse Libéné, je suis votre sex coach préféré. Et sur cette chaîne, je vous livre les secrets de la féminité divine pour que vous puissiez vivre une vie sentimentale et sexuelle heureuse et épanouie. Hello everyone. J'espère que vous allez bien. Bonjour R&B. Coucou Laetitia, coucou Théodora, coucou Natural Air AC, comment allez-vous mes chéris? J'espère sincèrement que vous allez bien, j'espère vraiment que vous êtes en pleine forme Et aujourd'hui, nous allons parler de dating. Bonjour Céline, comment ça va? J'espère que vous allez toutes très très bien. Vous connaissez les règles de la Claire ici. On met son like, on met son partage, on fait son petit don aussi. Si on a envie de soutenir la chaîne, d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes mes Divine Sisters qui soutiennent mon travail tous les mois. Hein? Qui me font confiance, avec qui nous avons eu un cercle extraordinaire hier pour parler de nos vérités, dire nos vérités en matière d'amour, nos relations toxiques dans nos familles et tutti quanti. C'était un cercle vraiment extraordinaire, donc vraiment je tenais à vous remercier. Et pour toutes celles et Divine Sisters qui sont déjà inscrites, je vous invite vraiment à regarder le replay parce que c'était vraiment un moment extraordinaire. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vraiment est un sujet qui revient très, très, très souvent dans les mails que je reçois, dans les questions que vous me posez sur la plateforme en commentaire, dans les consultations privées, en sex coaching que je peux faire avec vous et en dating que je peux faire avec vous, c'est je m'attache trop rapidement, Clarisse. Comment je peux faire pour éviter de m'attacher trop rapidement et d'être déçue comme ça à chaque fois? Voilà, j'ai beau me dire qu'il faut que j'arrête de m'attacher trop rapidement au mec, mais je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher. Je le mets tout de suite sur un piédestal. Je commence tout de suite à me projeter, à me dire que c'est le père de mes enfants, que c'est l'homme de ma vie. Et après, ben, je suis saoulée en fait, parce que je suis déçue. Ça vous parle? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez été comme ça? Vous êtes encore comme ça? Est-ce que vous avez envie de changer ça? Et si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Parce qu'en effet, s'attacher trop vite à quelqu'un, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas sain. Ça révèle quelques blessures que vous avez à l'intérieur de vous. Et eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et quelques principes qui vont vous aider dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, en particulier lorsque vous faites des rencontres et qui vont vous éviter de tomber dans le piège de l'attachement beaucoup trop rapide, beaucoup trop rapide, beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide. Alors, vous allez commencer à me dire, oui, mais ça veut dire quoi trop rapidement? Ce n'est pas la question. Hein. Ce n'est pas la question. Le temps n'est pas la question. La question est le degré d'attachement, d'investissement émotionnel que vous mettez tout au début de la relation et la projection immédiate que vous faites lorsque vous rencontrez quelqu'un. C'est-à-dire, c'est lui. He's the one. He's the one. He's the one. C'est lui. He's my man. He's the man of my dreams. Okay, si vous voulez apprendre à dater comme une pro, comme une professionnelle, rendez-vous sur mon site claresslibene.net. Vous allez dans les programmes de coaching, vous allez trouver Dater comme une pro qui est un programme vraiment transformationnel, qui est un programme où je vous donne tous les conseils et tout le coaching nécessaire pour que vous sortiez du no man's land, hein, de il n'y a personne, je rencontre personne. Et du coup, ben, quand je rencontre quelqu'un, que quelqu'un s'intéresse à moi, tout de suite, c'est l'homme de ma vie. Hein, c'est l'homme de ma vie. Hein. On va casser ce cycle-là et je vais vous apprendre à dater comme une pro. À dater comme une pro, parce que justement, ce qui se passe là, lorsque vous vous attachez comme ça trop rapidement, eh ben, c'est que vous datez avec votre cœur et que vous oubliez votre cerveau dans votre sac. Vous datez uniquement avec votre cœur et vous mettez votre cerveau dans votre sac. Donc, je vais vous donner 3 conseils aujourd'hui. 3 conseils aujourd'hui pour arrêter de vous attacher trop rapidement aux hommes que vous rencontrez. Et ce sont des techniques que je n'ai pas inventées. Ce sont des techniques que les hommes utilisent et qui font que dans ce jeu du dating, ils gagnent quand même pas mal. Et qu'on passe de, voilà, monsieur choisit madame, madame choisit monsieur, ah, c'est monsieur qui choisit madame et madame doit se contenter d'avoir été choisie. Est-ce que ça vous parle? Oui ou non? Conseil numéro 1. Retenez bien. Conseil numéro 1. Datez plusieurs hommes en même temps. Quoi? Quoi? C'est le principe de la rotation. Keep them on rotation. Je n'en démords pas. La majorité du temps, lorsque on a mis du temps avant de se remettre sur le marché des rencontres et de chercher des rencontres sérieuses, hein, je ne vous dis pas, je vais me mettre avec un saltimbanque. Non, 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 non. Hein, quelqu'un qui va me faire un... Voilà, on se voit, il fait son show, il repart. C'est pas ça que vous recherchez. Vous recherchez une relation sérieuse avec quelqu'un qui va s'engager. C'est quelqu'un que vous voulez choisir, en fonction de la manière dont vous vous sentez avec cette personne, la manière dont vous vous sentez avec cette personne. Cette personne vous fait sentir comme vous voulez vous sentir et vous permet de vous sentir aimé comme vous aimez être aimé. C'est une personne que vous choisissez en fonction de vos ressentis et en fonction aussi de vos objectifs de vie. Vos vies sont-elles alignées? Quels sont ses projets? Quels sont les vôtres? Quels sont vos désirs? Quelles sont vos valeurs? Vous choisissez cette personne. Et pour avoir du choix, eh bien, il faut avoir au moins 2 personnes devant soi. Sinon, tu ne choisis pas, ce n'est pas un choix. C'est bête hein, ce que je dis, mais c'est la base de la base. Datez plusieurs hommes en même temps pour que vous puissiez faire un choix, le meilleur choix, en fonction de l'offre que vous avez devant vous. Datez plusieurs hommes en même temps. Pour la plupart d'entre vous, les premières qui ont fait Dater comme une pro, elles ont dit mais c'est impossible. Et puis ensuite, ben, elles s'y sont faites. Parce que à chaque fois, je demande où est le deuxième? Where's the second one? Where's the second one? Ça te permet d'avoir du choix et ça te permet de garder la tête froide. De garder la tête froide et de ne pas surinvestir une relation, de ne pas surinvestir quelqu'un. De prendre du recul et de comparer. Avec lui, je me sens comment? Avec lui, je me sens comment? Avec lui, je me sens comment? Et les hommes, ils ne savent pas ça en règle générale. Alors qu'eux, ils le font naturellement. Un homme ne date jamais une seule femme. Il se garde toujours le choix. Il explore toujours ses options. He always explores his options. Pourquoi ne faites-vous pas la même chose? Datez plusieurs hommes en même temps. Je ne vous dis pas de coucher avec tous. Hein? Je parle de dating. Là, pour l'instant, on n'est pas dans la phase encore de... d'intimité, on est dans la phase de découverte, découvrez plusieurs hommes en même temps. Autorisez-vous à aller au restaurant, voilà, une semaine c'est l'un, une semaine c'est l'autre, la semaine d'après c'est l'autre. Aller au cinéma avec plusieurs d'entre eux et évaluer comment vous vous sentez avec ces hommes, qu'est-ce qu'ils vous disent, comment ils vous parlent. Comme ça, ça vous évite de... Vous êtes en phase de découverte. Vous découvrez l'autre. Conseil numéro 2. Évaluez chacune des rencontres à la fin du rendez-vous. Évaluez chacune des rencontres à la fin du rendez-vous. Dans Dater comme une pro, je vous ai donné un petit questionnaire de questions que vous devez vous poser. À la fin d'un rendez-vous, je vais vous en donner quelques-unes. Quels sont ses projets de vie? Comment passe-t-il ses journées? Veut-il des enfants? Que fait-il dans la vie? Comment je me suis sentie avec lui? Est-ce que je me suis sentie comme j'ai envie de me sentir? Hein? Dans Dater comme une pro, le gros du processus, c'est vous faire comprendre vos désirs clés. Vous voulez vous mettre dans une relation, mais vous voulez vous mettre dans une relation pourquoi? C'est parce que vous avez envie que certains de vos besoins émotionnels soient comblés. Quels sont ces besoins émotionnels? Et est-ce que ces besoins émotionnels ont été comblés avec cette personne lors du premier rendez-vous, lors du deuxième rendez-vous, lors du troisième rendez-vous? C'est hyper important. Évaluez chacun des rendez-vous. Et pour cela, vous avez votre petit journal de dating et vous notez. À la fin du rendez-vous, je me suis sentie vraiment bien. À la fin du rendez-vous, et j'ai eu envie d'aller plus loin avec lui. Parce que j'ai envie de découvrir sa personnalité, parce qu'il m'a fait rire, parce que ceci, parce que cela. Et ça, là, ça va être d'autant plus important si vous poursuivez plus loin dans la relation. Vous aurez nécessairement des peurs, des doutes qui vont émerger après. Et ça vous permettra de revenir sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi cet homme et pas un autre. Ah ouais, je me souviens, en fait, ça fonctionne très bien avec lui. Je l'ai choisi pour ça, parce qu'il me fait me sentir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je suis avec lui pour ça, pas pour autre chose. Hein? Quand ta copine, elle t'appellera et qu'elle te dira « Ouais, moi, mon gars, il me fait ça. Ouais, avec mon gars, on fait ça. » Que tu commences à te dire « Ah ouais, peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. » Non, 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 non. Toi, tes besoins, c'est ça. Et lui, en fait, il les comble. C'est hyper important. Évaluez chacun de vos rendez-vous. Qui est cette personne? Quelles sont ses valeurs? Comment je me sens avec lui? Est-ce que mes besoins sont comblés? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait qui permet ça? Sinon, est-ce que c'est quelque chose qui est corrigeable, correctible? Je ne sais même plus comment on dit ça. Ou est-ce que, en fait, c'est juste sa personnalité et we don't match? OK. Conseil numéro 3. D'après vous, quel est ce conseil? Je vous ai dit, conseil numéro 1, dater plusieurs hommes en même temps. Conseil numéro 2, évaluer chacune des rencontres que vous faites à la fin du rendez-vous. Pas une semaine plus tard, à la fin du rendez-vous. Conseil numéro 3, c'est quoi? Comprenez vos besoins émotionnels. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir vous le dire, mais comprenez vos besoins. Apprenez quels sont vos besoins. Pour cela, l'astrologie va vous aider. Pour cela, le MBTI va vous aider. Vous avez plein d'outils aujourd'hui que je vous mets à disposition sur la plateforme qui vous permettent de comprendre vos besoins émotionnels et apprenez à les combler. Apprenez à les combler de manière à ne pas être assoiffé lorsque vous allez en phase de dating. En fait, j'y vais parce que j'ai envie, mais je ne dépends pas de cette relation, je ne dépends pas de cette personne. Je ne cherche pas à dépendre de quelqu'un parce que j'ai un vide en moi. C'est ça la raison pour laquelle, la principale raison pour laquelle vous vous attachez aussi rapidement à quelqu'un. C'est parce que vous avez un vide dans votre vie, un vide que vous voulez que quelqu'un comble. Et donc, dès que quelqu'un rentre dans votre vie, vous montre un signe d'intérêt, vous vous accrochez à lui, vous projetez des choses sur lui. Parce que sans cette personne, sans cette relation, vous vous sentez vide à l'intérieur. Votre vie, vous ne lui avez pas donné de sens, vous vous ennuyez. Vous ne faites pas ce qu'il faut pour combler vos véritables besoins émotionnels. Et du coup, you're thirsty. Vous avez faim, vous avez soif. Et dès qu'on vient vous donner une petite goutte comme ça, vous êtes là. Stop it now. Remplissez votre vie. Ayez une vie remplie qui vous comble. Make yourself happy. C'est pour ça que j'ai fait un challenge, se sentir bien, à un tarif tellement abordable, 1 € par jour pendant 30 jours. Vous imaginez un coach à 1 € tous les jours. C'est ça le challenge, se sentir bien. Pour que vous vous sentiez bien, comblé, fulfilled. Que le gars, quand il vous voit, il se dise « Waouh, punaise ! Elle a une vie de ouf, elle est hyper intéressante, she's joyful. » J'ai envie d'apprendre à la connaître plus. Apprenez vos besoins et comblez-les. What do you need? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quel est le sens que tu donnes à ta vie? Quelle est ta mission sur cette terre? T'es là pour quoi? Comment tu remplis tes journées? Qu'est-ce que tu fais pour te faire du bien tous les jours? Est-ce que tu vis une vie alignée à tes valeurs? Quand le gars te voit comme ça, là, jolie, jolie, intéressante, charmante, et puis le gars il t'appelle pas, bon, t'as ta life. Tu n'es pas accroché comme une moule sur un rocher. Non. Il est là, il n'est pas là, it's okay. Next, who's next? Ça se passe bien, ça se passe pas bien. Next, who's next? Moi, j'ai juste envie de faire des rencontres. Conseil bonus. Le bonus qui tue. Bonus. Le bonus, pour ne pas t'accrocher trop rapidement à un homme quand tu fais des rencontres. D'après toi, c'est quoi? R&B, tu dis ne pas se dévoiler, non. Une moule sur un rocher. Bon, ça va, je vous fais rire aujourd'hui, c'est bien. Le bonus, 4e conseil. C'est lui qui va s'accrocher. R&B. Regardez-moi les coquineries. Bon, le bonus, c'est quoi? Vois ça comme un jeu. Vois ça comme un jeu, it's a game. Tu ne vas pas en mourir, you're not gonna die. Vois ça comme un jeu, amuse-toi, amuse-toi. Have fun. Vois ça comme un jeu. Détache-toi de l'enjeu. Vois ça comme un jeu. Vois ça comme un jeu. See it as a game. It's a game. Vois ça comme un jeu. Vois ça comme si tu allais au casino et que tu joues. Tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Donc, demandez-vous de quoi vous avez peur. Vous avez peur qu'il se passe quoi? Ah, il va me faire perdre mon temps. Ton temps est compté? Oui, non, pourquoi? Ah non, mais en fait, j'ai peur qu'il me trompe. Donc, toi, tu trompes personne, quoi. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, non, c'était l'année dernière, sur « J'ai une mauvaise nouvelle, les femmes trompent, les hommes trompent. » Tout le monde trompe. Everybody cheats. Si tu veux être avec quelqu'un de fidèle, mets-toi avec quelqu'un pour qui la fidélité est hyper importante. Si c'est vraiment une valeur, tu trouveras quelqu'un qui a cette valeur-là aussi. Mais c'est dur, hein. T'as peur de quoi? What are you afraid of? Et ça, dans Manifest Love, dans Reset, je vous aide à travailler sur vos peurs. Parce que vous êtes là, vous avez peur de tout. T'as peur qu'il se passe quoi? C'est un jeu. Tu vas perdre quoi? T'as rien à perdre. Ton temps, non, you would have fun, tu t'amuses. Vois ça comme un jeu. C'est le conseil bonus que je vous donne aujourd'hui. Je vais lire vos commentaires. Bonjour, bonjour, R&B, oui, je suis en mode sunshine. C'est le jour de Vénus, aujourd'hui c'est le jour d'Oshun. Donc je mets du jaune, voilà, c'est une couleur qui me va bien, plus qui me sied à ravir, n'est-ce pas? Coucou à toutes. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez des questions? Coucou Céline, Théodora. Natural Hair, si tu dis, même si je ne suis pas en mode dating en ce moment, je sais que j'ai ce côté fleur bleue. Le côté fleur bleue, c'est drôle, hein, j'en parlais hier. Je suis trop fleur bleue. Je suis trop fleur bleue. Bon. Quand on a une tendance comme ça à être très, très fleur bleue, c'est que, en fait, on idéalise beaucoup l'amour. On aime l'amour plus que la personne elle-même. On aime le fait d'être amoureux. Okay. On aime le fait d'être amoureux plus que la personne elle-même. Pourquoi? Parce qu'on aime l'état amoureux. On aime la personne qu'on s'autorise à être quand on est amoureux. Donc, demande-toi, là, tu as, c'est un besoin émotionnel que tu as, que tu ne combles que lorsque tu es en couple. Hein? You want romance, tu veux la séduction, tu veux le prince charmant, tu vois, qui vient, qui te fait la cour, etc. Sache, en fait, you want to be treated like a princess. Tu vas être traité comme une princesse. Et ça, ma chérie, tu n'es pas obligée d'attendre une relation sentimentale pour l'obtenir, pour combler ce besoin. Il y a des gens dont c'est le métier, c'est les gens de l'hôtellerie de luxe et des restaurants de luxe et de tout ce qui a trait au luxe. En fait, quand tu vas dans ce genre de lieu, quand tu vas dans ce genre d'endroit, dans un spa ou autre, les gens, ils te traitent comme une princesse. Et c'est ce traitement spécial-là that you want. Tu me diras si je me trompe. Donc, plutôt que de chercher un homme pour te faire sentir comme ça, hein, et attendre de lui ça, comble ce besoin-là et tu verras que du coup, tu vas l'obtenir naturellement parce que tu vibreras déjà ça. En fait, il va se dire, mais ça, c'est une meuf, c'est une fille pour gâter, je peux pas l'emmener dans des endroits où il y a, faut que je la traite comme une reine. Comme une princesse. Il va peut-être même t'appeler princesse. Moi, j'adore quand on m'appelle princesse. Mon papa m'appelle les princesses. Ah, coucou Stella, comment ça va? Théodora t'a dit, moins la tendance su, c'est lui quand même. Là, j'ai rien compris. Redis-moi ça en truc que je peux comprendre, Théodora. Peut-être que je n'ai pas mes lunettes à l'endroit. Tu dis, ça doit être ma lune en poisson. En fait, avec la lune en poisson, on a une tendance à vouloir la transcendance. On veut la transcendance, on veut une relation hautement spirituelle. On veut la transcendance, on veut l'extase, on veut we want paradise, on veut complètement s'abandonner dans une relation, l'amour spirituel, spiritual love. Tu veux limite être en communion avec Dieu, tu vois, donc... tu veux faire confiance pleinement, tu veux pouvoir t'abandonner. Voilà, Pisces Energy, c'est ça. C'est Jésus sur la croix, tu vois. Je veux complètement m'abandonner dans cet amour. Et pour ça, il faut que la personne, elle soit digne de confiance. Donc, il faut attendre. Tu ne donnes pas ta confiance comme ça tout de suite. Tu ne vas pas t'abandonner comme ça, là, dans les bras de quelqu'un... Oh non, t'attends. Il faut que la personne, elle soit digne de ça. Et que ce soit aussi des valeurs qu'elle partage. R&B, tu dis, 2 années de célibat et je commence à réouvrir mon cœur. Oh, j'aime ça. Mais j'ai peur et de plus beaucoup de méfiance maintenant. Et de plus, beaucoup... What's going on? J'arrive plus à lire. Et de plus, beaucoup de méfiance maintenant, dur de trouver le juste milieu. On va parler de la confiance hein, dans un prochain live. Je vais le noter parce que c'est quelque chose qui vous pose beaucoup de problèmes. En fait, pour avoir confiance en l'autre, il faut avoir confiance en toi. Si tu n'as pas confiance, si tu es très méfiant des gens, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Il y a une part de toi dont tu as peur, une ombre à toi dont tu as peur, que tu as peur de ne pas être en mesure de maîtriser. Hein? Est-ce que c'est la part de toi qui aime se sacrifier tout le temps dans les relations? Est-ce que c'est la part de toi qui aime trop donner? Est-ce que c'est la part de toi? C'est quoi cette part de toi dont tu as peur? Et en fait, il faut que tu comprennes ses besoins à cette part de toi. Si tu as peur tout le temps des autres comme ça, en fait, c'est que tu as peur d'une part de toi. Les autres ne sont que le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même. Donc, par exemple, j'étais en coaching la semaine dernière avec une cliente qui me dit, voilà, j'ai peur de me retrouver comme Whitney Houston avec Bobby Brown ou Tina Turner, tu vois. De m'oublier dans la relation complètement. Hein. De complètement m'oublier. This is Pisces energy. Pisces and Virgo energy. Hein. C'est ce même axe-là de la spiritualité, la transcendance, le don de soi, être au service de l'autre, etc. Et en fait, faut se mettre des garde-fous. Tu vois, si tu sais que tu as déjà une fois été ébranlé dans une relation, ben écoute, tu définis toi-même les étapes à partir desquelles tu vas commencer à faire confiance et puis tu fais confiance parce que la personne, elle te donne des preuves qu'elle est digne de ta confiance. Tu y vas petit à petit. Petit à petit. Et je pense que ça, c'est un truc très féminin de croire que tout le monde est digne de confiance comme ça, a priori, sous prétexte que la personne, elle est intéressée par toi. Non, 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 non. Ici, là, les gens, ta conscience, c'est un peu. Quand tu étais petite, tu n'avais pas le choix que de faire confiance aux gens puisque ta survie en dépendait. Mais maintenant que tu t'occupes de toi, que tu sais t'occuper de toi, tu n'es pas obligé de faire confiance à tout le monde. Pourquoi? R&B, tu dis, plusieurs en même temps, mon cœur ne va pas tenir. Si, justement, arrêtez de faire les choses en mettant votre cœur en avant. Votre cœur, vous le mettez dans votre sac et vous avancez avec deux choses. Votre cerveau et votre intuition. Votre cerveau, de votre capacité à penser, et votre intuition, votre capacité à ressentir les choses au-delà de ce que la personne fait, la personne dit, à ressentir. Ressentir. Comment tu t'es senti? How did you feel? C'est quoi ton... What's your intuition? Et à faire le distinguo entre ce qui relève de la peur et ce qui relève de l'intuition. Et quand votre petite voix vous dit « un, un », ou quand, mercredi, en coaching avec une cliente, elle me dit « le gars, il vient et tout, rendez-vous et tout, machin. » Je vois un nuage noir au-dessus de lui. Elle me dit « oh, oh, it's time to go back home. » Je dis « oui. » Oui, oui, oui. Quand on te montre le vrai visage de quelqu'un, crois-le. Always trust your intuition. Théodora, tu dis, c'est trop bien en plus, c'est top. Mais oui, c'est top. T'es là, tu rencontres plusieurs hommes en même temps. Mais ça vous demande du temps. C'est pour ça que zen organisé, c'est important. Parce que si vous n'avez pas de temps pour faire des rencontres, c'est compliqué. Il faut que vous créez l'espace dans votre vie pour cette relation que vous souhaitez. Et si même dater, vous n'avez pas le temps, comment vous allez avoir le temps d'avoir un mec? Ça demande du temps, une relation sentimentale. Ça demande du temps, de l'espace. Ça demande du temps et de l'espace. Donc, si vous êtes là et que vous dites « ah, j'ai pas le temps, j'aurai jamais le temps de faire une ou deux rencontres par semaine », faites zen organisé d'abord. Parce que vous n'avez pas le temps, en fait. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'espace-temps pour la relation que vous souhaitez. Vous ne savez pas quelles sont vos priorités. Et si vraiment avoir cette relation sentimentale-là, c'est votre priorité, vous allez trouver le temps pour. Mais il faut le créer. You have to create this time, this space. Hein? La nature a horreur du vide. Donc, si vous créez de l'espace, du temps pour cette relation, pour cette personne, la personne, elle viendra. C'est mathématique, hein. R&B, tu dis merci car je ne comprends pas trop ce qu'est le dating. Ouah, je dois revoir la base de la base. C'est quoi le dating? C'est faire des rencontres, c'est aller en date, aller en rendez-vous et explorer ses options dans un but qui est celui que vous définirez. Je veux une relation stable, je veux me marier, I want to get married, je veux trouver mon mari, je veux trouver le père de mes enfants, je veux attirer, je sais pas moi, a friend with benefit. Vous devez considérer ça comme la période où vous êtes sur le marché du travail et que vous faites des entretiens d'embauche. Vous avez un job là dans votre vie, un job vacant qui est celui de votre partenaire de vie et vous allez faire passer des entretiens. Et vous aussi, vous êtes en entretien, hein? Parce que lui aussi, hein, il est en train de faire passer un entretien, en fait. Donc, tu vois, quand tu vas passer un job, un entretien pour un job, ben, tu connais tes valeurs, tu connais ta valeur sur le marché, tu sais ce que tu as à proposer à l'entreprise, tu prends le temps d'étudier l'entreprise en question pour savoir quels sont ses besoins, qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qu'il recherche comme profil. Et toi, ben, tu regardes et tu dis « ah, je ne suis pas le profil qui vous convient ». Et le problème souvent des femmes qui s'attachent trop vite, c'est que ben, elles veulent forcer leur embauche. Et en fait, elles n'ont pas de critères d'embauche, elles n'ont pas de job description pour le job de partenaire de vie de madame ou de mademoiselle Tant. C'est une approche très pragmatique hein, du dating que je vous donne. It's pragmatic. Moi, je suis, ma planète dominante, c'est Saturne. Moi, je suis très structurée, carrée. Les choses, ça doit durer longtemps. C'est voilà. Même si je suis Lion, voilà. Donc, c'est la base de la base. Et pour ça, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance dans ce qu'on apporte dans la vie d'un homme. Hein, je vous avais fait une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne qui s'appelle « Et si tu approchais le dating comme ça ?» Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes? What do you bring to the table to this man? Parce que les femmes, elles disent « Moi, j'apporte, je mets rien sur la table. » Ok, mais pour « Why would a man be with you ?» Qu'est-ce que tu apportes dans sa vie, en fait? C'est pour ça qu'après, on se retrouve objectivé, on se retrouve traité comme de la parce qu'en fait, on n'apporte rien. Je ne dis pas d'apporter des choses matérielles et concrètes, mais en termes de personnalité, quelle est la plus-value que tu apportes dans sa vie? Sinon, pourquoi il se mettra avec toi? Au-delà des aspects purement charnels. Là, vous m'avez lancé. Hein, là, je suis partie. Là, hein. Naturel, si tu dis, c'est sûrement le bon moyen d'affirmer ses attentes et ses besoins. Exactement. Parce que tu peux te dire les choses mentalement, intellectuellement, même énergétiquement, grâce au soin énergétique et à la méditation et tout. Mais être en face de quelqu'un, ça te permet d'être avec quelqu'un, ça te permet de te dire... Ouais, non, c'est vraiment ça que je veux. Ou ça, je pensais que c'était vraiment important pour moi, mais en vérité, je me rends compte que c'est pas si important que ça. Ou je pensais pas que c'était vraiment important, mais en vérité, je me rends compte que c'est hyper important pour moi. Et c'est souvent le cas sur des valeurs par rapport liées, par exemple, à l'argent ou par rapport au langage de l'amour. Hein. Y a des femmes qui... se disent non mais c'est pas grave s'il fait pas ci ou s'il fait pas ça, et puis ensuite dans la relation elles se rendent compte que it's not that. Gigi, tu dis merci beaucoup pour ces conseils, j'ai un date avec un grand gaillard du Ghana, yeah girl. Samedi, I'm going to have fun. Tu vas bien t'amuser. En plus, les Ghanéens, tu sais, les gens, les Ghanéens, Nigérians et tout, ils aiment vraiment bien s'occuper d'une femme. Donc, j'espère que ce sera le cas pour toi, mais I think so. Théodora, tu dis, doit-on être transparente avec les hommes que l'on date? Transparente sur quoi? Sur le fait que tu fréquentes d'autres hommes? Non, ils n'ont pas besoin de savoir. S'ils te posent la question, tu dis oui, mais sinon, ils n'ont pas besoin de savoir. Tu dois rester un mystère, avoir ton petit jardin secret. Hey, DJ Miss Mac, comment ça va? J'espère que tu vas bien. DJ, tu dis, c'est pour ça que c'est important d'avoir ses sous. Merci, je vais m'accorder le traitement de princesse. Yes! R&B, tu dis, oui, c'est exactement ça. Amoureuse de l'amour, c'est la phrase que j'ai sortie à mon ex en le quittant. Tu dis, tu es géniale, Clarisse, merci. Ça commence à prendre sens. Vive le pragmatisme, en effet, c'est la méthode de ma sœur. Elle a fait passer un questionnaire à son mec et ça leur a réussi. Ben oui, alors... Je dirais pas faire passer un questionnaire parce que, bon, à moins que le gars, il soit hyper tac-tac, pragmatique et tout, tu tombes sur un Capricorne, un Vierge ou un Balance ou un truc comme ça, les mecs, ils ont pas envie d'avoir la sensation de passer un casting. Coucou Lucie, comment ça va? Il n'a pas envie d'avoir la sensation de passer un casting. Donc, en fait, il faut savoir une chose, c'est que les hommes adorent parler. Les hommes adorent parler et en fait, laisse-les parler. Je vous parle toujours des 3 étapes dans le dating. Première phase, tu écoutes. Listen to the man. Laisse-le parler. Tu poses quelques questions. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, pourquoi? Parce que l'homme, il veut t'impressionner. He wants to impress you. He wants to impress you. Donc, il veut t'impressionner. Si vraiment il est intéressé, hein? Je ne parle pas d'un saltimbanque qui s'en fout, en fait. Hein? Mais si vraiment l'homme est intéressé, he wants to impress you. Donc, il va te parler et tu vas lui dire « Ah, c'est vraiment intéressant !» Et là, pendant ce temps-là, toi, tu écoutes et tu enregistres. Et puis, quand tu rentres, tu notes. Il a dit ça, 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 ça. Il fait ça, 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 ça. Il est sur le projet ça, 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 ça. Ouais, donc c'est un gars. Voilà, a priori, d'après ce qu'il dit, c'est un gars comme ça, il a telle caractéristique, il est là, il est comme ça et tout, nanani, nanana. Bon. Deuxième phase, tu observes. Parce que bon, tu sais, dans la vie, il y a le déclaratif, il y a ce qu'on dit, et puis il y a vraiment ce qu'on fait. Et souvent, moi, je vous dis de choisir un homme en fonction de ses valeurs, de ce en quoi il croit. Et pour voir, en fait, les valeurs de quelqu'un, il ne faut pas s'attacher à ce qu'il dit, il faut s'attacher à comment il vit sa vie. En fait, comment il passe ses journées? Comment il gagne son argent? Il dit qu'il est très famille, mais il voit sa famille combien de fois? Il dit que c'est quelqu'un qui aime les enfants, mais comment il s'occupe de ses enfants? Observe, c'est la deuxième phase. Et souvent, on n'aime pas juger les gens. Mais girl, tu es en train de choisir quelqu'un avec qui tu vas passer beaucoup de temps. Et surtout, si tu as des enfants, tu es en train de choisir la personne qui va être là dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Like, make a real serious choice. OK? Là, on n'est pas en train de juste, à moins que tu veuilles quelqu'un qui vient, qui repart, un intermittent du spectacle. Mais si tu veux quelque chose de sérieux, ben prends ça au sérieux, quoi. Tu t'amuses, mais c'est sérieux quand même. Tu vois? Donc, le gars, il fait quoi? Tu observes, en fait. Est-ce que il fait vraiment ce qu'il dit être? Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il dit être? Et une fois que tu... Et toi, est-ce que tu es OK avec ça là? Est-ce que tu... Quelle place tu vois dans la vie de... Tu te vois avoir dans la vie de cet homme? Hein, quel besoin tu viens combler chez lui? Et lui, il vient combler quel besoin chez toi? Tu vois, toi, tu as besoin de quoi, en fait? Ouais, non, mais j'aime bien être avec mon gars, me sentir, tu vois, à faim, un gars avec qui je m'amuse. Non, moi, je suis plutôt sapiosexuelle. Moi, j'aime bien être stimulée mentalement, intellectuellement, les débats, les trucs. Voilà, moi, voilà. Et donc, on va avoir ça entre nous, ça va être hyper important et tout. Et puis lui, je sens que, tu vois, il a besoin d'une femme, vraiment. La sexualité, c'est hyper important pour lui. Et là, il a besoin d'une femme qui l'aide à être transporté, qui lui permet d'assouvir ses envies. Il a besoin d'être avec une femme, je sais pas moi, charismatique. Il veut créer un power couple. Enfin, j'en sais rien en fait. What do you want? What do you need? Qu'est-ce qu'il veut? Toi, comment tu te vois dedans? OK? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Et surtout, les lions, ils te disent. Les lions, les taureaux, les capricornes, les cancers, ils te disent, moi, je veux une femme comme ça. Les hommes, quand ils ne sont pas clairs, c'est qu'ils ne sont pas clairs. C'est qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et quand un homme, il sait ce qu'il veut, il te le dit. Et il te le dit très tôt, parce que lui, il sait ce qu'il cherche. Coucou Mariam, comment tu vas? R&B, tu dis, j'ai beaucoup agi avec mon côté, mon énergie masculine, car la pipelette, c'était moi. La Virgo que je suis te dit merci beaucoup, je t'en prie. Alors, je ne sais pas comment vous dire par rapport à la parole, là, par rapport au fait de parler. Faut faire doucement avec ça. En phase de dating. Quand vous êtes dans votre vie de couple, il faut savoir que l'écoute, c'est une qualité masculine. Et je pense que je note toutes les vidéos que je dois vous refaire. L'écoute est une qualité masculine. Je dois vous parler des 3 phases. Et comment reconnaître un homme qui sait ce qu'il veut. Au début de la phase de dating, il faut susciter l'intérêt de l'homme. Et pour susciter l'intérêt de l'homme, et ça, je vous en parle dans Dater comme une pro, il faut rester un mystère. Don't talk too much. Listen. Vous êtes en phase d'écoute et d'observation. N'oubliez pas ça. Vous êtes en phase d'écoute et d'observation. Donc, laissez l'homme parler. Et n'ayez pas peur du silence dans une conversation. Parce que c'est souvent ça, en fait, qui vous gêne. C'est, il y a un froid. Il y a un froid. Vous ne savez pas quoi vous dire. Donc, tu veux meubler, tu veux combler. C'est pour ça que les dates, je vous recommande de faire des activités ensemble. Go to the movies. Allez au restaurant, mais voilà, ça ne doit pas être tous vos dates. Parce que si tout est autour de la parole, c'est compliqué de savoir comment vous vous sentez vraiment avec la personne. Et surtout, vous devez chercher, vous êtes dans des situations très facilement inconfortables. Do something. Je sais pas moi, aller au cinéma, aller à un cours de peinture, aller à un truc, pour que vous n'ayez pas ce besoin de meubler le vide. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont intimidés par vous, qui ne savent pas nécessairement super bien communiquer, et ils ont peur de parler, donc vous êtes là et blablabla. Alors que quand vous apprenez à les connaître un petit peu, ou quand vous êtes dans un contexte qui, en fait, où vous avez quelqu'un d'extérieur ou une situation extérieure que vous pouvez observer, que vous pouvez, de laquelle vous pouvez discuter, vous ne rentrez pas dans quelque chose d'hyper personnel tout de suite. Donc, faites des activités ensemble. Allez voir une expo, allez au cinéma, prenez des cours de je ne sais quoi. I don't know. Allez faire du karting. Genre, have fun. Vraiment, have fun. Et arrêtez les dates. Ouais, on se voit chez toi, tu viens chez moi et on est là et on se regarde comme des yeux de Merlin frais. Et donc, pour éviter d'être là et d'être dans le blanc, on va mettre la télé ou... je vais aller dans la cuisine et je vais préparer à manger. Quelle horreur! Tu vois, ou à la limite, préparer à manger ensemble, dance together, mettez de la musique, dansez, enfin faites quelque chose, impliquez votre corps physique. Hein? La femme, elle est. Si vous n'utilisez pas votre corps physique, que vous êtes toujours dans vos facultés masculines, que vous engagez toujours votre mental ou que vous engagez toujours votre parole, it doesn't work. Vous avez du mal à le séduire. It's your body. Your body, the way you are. Et soyez pas un moulin à paroles comme ça, là, tout le temps parler, 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 restez un mystère, restez un mystère, restez un mystère. Et ne faites pas des dates trop longs, hein. Restez pas plus de 2 heures avec la personne, vous faites votre dîner, tac, bye, moi j'ai des trucs à faire. Comme ça, le gars, il a envie de revenir, de te revoir. Il a envie de te revoir. Dès qu'il sort de là, il se dit, oh putain. Ouh. Ok, donc j'espère sincèrement que ces conseils vous auront aidé. Je donne rendez-vous dans Dater comme une pro si vous souhaitez aller plus loin avec moi. Ce sera notre programme cet été, 3 mois de coaching pour passer du no man's land à pléthore d'offres. N'oubliez pas les premiers conseils que je vous ai donnés tout à l'heure. Conseil numéro 1, choisissez. Dater plusieurs personnes en même temps. Conseil numéro 2, évaluez chacune de vos rencontres. Conseil numéro 3, amusez-vous, détachez-vous, faites des choses qui vous font plaisir. Conseil numéro 4, je ne sais même plus ce que c'était. C'était le bonus, je ne l'avais pas noté, il n'était pas préparé. Voilà, ok. Et j'espère que cette session de... Ah non Mariam, hors de question. Dernier dating, aucune proposition. Rendez-vous chez moi, aucune sortie. On dit non. Le confinement est terminé. Le confinement est terminé. Et si le gars est broke, eh ben tant pis pour lui. Voilà. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, gros bisous mes chéris. Passez une très belle journée et rendez-vous la semaine prochaine ou peut-être ce week-end. I don't know. Bisous, bisous, bye bye. Tu peux le faire sur PayPal ou en bas, mais je vais te donner le PayPal, ma chérie. Paypal.me. Clarice Livenet. Thank you so much, baby girl.